Pour moi, le médecin traitant, c'est une figure rassurante. C'est comme un membre de la famille, quoi, qui est proche de nous en cas de problème auquel on peut plus facilement discuter, quoi. Au moins, il connaît l'enfant, il connaît ses antécédents et au moins, on sait à quoi s'attendre après. C'est important qu'ils nous connaissent depuis le début parce que si on a eu un problème de santé étant jeune, et bah, plus tard, ça peut avoir des répercussions sur une autre maladie. Et du coup, le médecin arrivera à faire un diagnostic beaucoup plus facilement que si c'était un médecin qu'on voyait occasionnellement. C'est pour voir si je dois continuer à prendre mon médicament qui m'aide à me concentrer tous les jours. Parce que c'est important en fait qu'ils suivent en fait les enfants depuis la naissance, avec, surtout avec les enfants en difficulté. Avec, il connaît bien l'enfant, il sait le gérer aussi quand il y a des difficultés. Et il fait le lien aussi avec les autres acteurs médicaux, qui sont, c'est très important parce que du coup en fait ça évite des soucis d'interaction entre médicaments, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très important. Mon enfant choisira aussi le médecin avec lequel il est en confiance et avec lequel il peut parler. Au-delà du soin et des petits bobos physiques, il y a aussi l'aspect mental, psychologique. J'aimerais bien que ça sera toujours le même médecin. Comme ça, il la connaît mieux que n'importe l'autre. Si on change tout le temps, un médecin qui la suit tout le temps, qui la connaît mieux. C'est très important pour moi qu'un seul médecin puisse suivre mon enfant pendant toute son adolescence. Il connaît déjà mes enfants depuis qu'ils sont bébés, donc je ne sais pas, à chaque fois réexpliquer, par exemple s'ils sont allergiques, tout ça, il les connaît bien. Voilà, c'est tout. C'est bien pourquoi d'avoir un seul médecin, très très important, parce que ça permet de connaître bien l'enfant et savoir comment il connaît ça sans profondeur de l'enfant. C'est très important. Que de changer tout le temps les médecins, bon, pour moi, c'est pas bien.